Donc on va voir Waterloo de ABBA. Alors il y a une introduction en ré, évidemment. L'accord de la, vous le faites ou comme ça, ou alors avec les basses, l'un ou l'autre. Hein. Début. Deuxième fois, si mignon. Donc les accords, il y a une intro en ré, donc ré, mi. Normalement, c'est do. Vous pouvez faire voilà. C'est deux fois ça, si mineur. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein. Le mi renversé et après deuxième ligne. Arrive au refrain, arrêt. Alors les basses, vous n'êtes pas obligé de les faire. Quatre. Et la deuxième fois, on passe en si mineur. C'est comme si vous passiez de d'ici. Donc la première fois là, et la deuxième fois, comme si vous repreniez ici. Si mineur. Sauf que la descente est plus rapide. Elle est que sur une mesure. Tandis que là, c'était sur deux mesures. C'est la seule différence. Mi.
le mi, le fa, début, mi, mi, à la comme ça, ou la basse, hein. Si mineur, le mi, deuxième fois. Oui, pour les. Au lieu de faire les basses, vous pouvez faire. Sur le sol. Sur le la. Donc Waterloo de Abba, sous le vent Garou Céline Dion, il y a trois tonalités. Donne-moi de Danny Briand qui restera à voir. Il y a ça, et après on monte d'une case à la fin. Et je vous l'ai réécrit ici. Hein. Fernando Abba. Ça on l'a vu, comment te dire adieu. Donc ça c'est les différentes gammes sur lesquelles les accords sont construits. Donc pour les accords de sol sont construits sur la gamme de sol. Donc là pour faire vos griffes vous-même, en 6 lignes ou en 9 lignes. Donc c'est des groupes intéressants, allez jeter un œil. Écriture en français ou en américain, moi je préfère en français. QS9 qui est à jour, ça c'est les explications des accords, c'est le sautage. Alors les formes d'accords, si vous montez sur le manche, quand on est en forme de Ré, comme ça par exemple, Ré, Ré, avec un accord de Ré, si vous faites un barré ici, vous êtes en forme de Do, et vous avez les notes Ré ici et ici, vous êtes en forme de Do. Au-dessus, c'est en forme de la, etc. C'est tout par rapport au tonique. Hein. En mi, c'est ici, ici, ici. En la, ici, ici. En do, là, là. En sol, les toniques sont ici, ici, ici. Tonique, c'est donc la première note. Ti, tierce. Troisième note. Q, quinte. La cinquième. Donc il n'y a qu'une case entre mi, fa et si, do. Les accords de do par rapport à la gamme de do. Les renversements. Donc écriture en américain, il y a trois feuilles. Et donc maintenant je vous ai marqué les difficultés, le niveau de difficulté devant. Ça peut vous aider à vous positionner quoi. 41, 40, 39, 38. 37, 36, 35, 34, 33, 32,
31-30, 29-28, 27-26, 25 Ponareff, 24-23, 22-21, 20-19, 18-17, 16-15, 14-13, 12-11, 9-8, 7-6, faites un arrêt sur image ainsi, 5-4, 3-2, 10-1, Cabrel Piaf, Sardou Aznavour, Véronique Sanson, Patricia Cass et Barbara.